Hello everybody, welcome to the channel and thank you for watching. In this video, we are going to discuss about Olivier Giroud. Yesterday, we heard that Olivier Giroud already agreed 2 years contract with Juve. And this morning, there were some sources in the Chelsea community that denied that information, and Olivier Giroud was live with Téléfoot in France, and he also denied the information. So Olivier Giroud is going to stay with Chelsea Football Club. Basically, he said that he was surprised even to hear that. And this morning he was getting so many messages from friends asking him what's going on, and he just laughed at the news. So nothing is there. Olivier Giroud said that no contact, no nothing, nothing signed. And I am a Chelsea player. I'm going to remain with the team for the rest of the season. I'm going to fight for my place. And he got a different profile than Timo Werner or Tammy Abraham. So he believes that he's going to have playing time and everything is just rubbish. Don't listen to anybody. Don't listen to all the blah, blah, blah on social media. Olivier Giroud is going to be with us. And let's face it, we need Olivier Giroud. We have so many competitions to fight for. And we are really going to need Olivier Giroud and N'Golo Kanté. For N'Golo Kanté, I'm not going to say much because I already made a video, maybe in this channel or my other channel, about N'Golo Kanté. He's not going anywhere. Frank Lampard loves N'Golo Kanté. N'Golo Kanté loves Frank Lampard and the team, and they are going to be part of the new revolution at Chelsea Football Club. We need some experience. We need Olivier Giroud and we need N'Golo Kanté. So no more debate on this one. I'm going to let you, watch the interview. If you can speak French, good, but you can maybe use an app and translate exactly word by word what Olivier Giroud said. Good luck with that, but I can't translate word by word what he said. So take a look. Dernière question avant de vous remercier, vous l'attendiez, vous me voyez venir, ça veut donc dire ce que vous venez d'exprimer, que vous êtes content, que vous allez rester à Chelsea. Pourtant, ce matin, la presse italienne annonce que c'est fait pour vous à la Juve. Ouh là là là, ah, les Italiens, ils s'emballent un peu vite. Moi j'ai été très très surpris de recevoir autant de messages de potes qui me disaient « Alors, tu vas à la Juve, tu vas à la Juve ?» c'est loin d'être le cas. Je suis un joueur de Chelsea, je me sens bien ici. Encore une fois, je dis que j'ai pas fait ma fin de saison, ma belle fin de saison comme ça pour partir d'entrée et ne pas y croire, voilà, comme le titre de mon livre. Toujours rien lâcher et me battre pour ma place et on verra comment ça se passe. Mais c'est toujours, Chelsea et la Juve sont des grands clubs et c'est toujours bien d'attirer l'attention de ce genre de club, c'est flatteur. J'ai bien la tête ici et je reste concentré sur Chelsea et on verra dans les semaines à venir comment ça va se passer. Mais il n'y a absolument rien de signé, rien de fait comme... Voilà, je préfère le démentir et être bien clair là-dessus. Grand éditorialiste, j'apaise les passions que les autres attisent. Je suis garant d'un monde ancien et d'un espace démocratique. Je traite l'information quotidienne. Ne vous laissez pas endoctriner, je vous dévoile la version officielle. Pour que vous passiez votre temps à dépenser. Ne vous fatiguez pas, nous vous dictons ce que vous devez penser. Nous forgeons un imaginaire collectif, mais nous restons bienveillants. Notre ambition est d'abord protectrice. Entre haute estime, modestie et mot d'esprit, j'écris le quotidien.